First day, Hakusan, are you trolling me? You said you humble, why you fumble, you keep calling me. Feeling nice today, might just go and ride the waves. You say you chill, you keep it real, you tryna vibe the same. What's your number, where you live, let's go see your crib. What type of people do you like, let's go meet your chicks. Might just fly away, time away, recharge. And if you're patient, I might call you, you can meet Marge. Take you out to Paris, shopping ain't a thing, I spend too much when I'm in Harris. What type of time you running on, I see you flexing carrots. Telling me that time is money, look at how I manage. Baby, all this talent, hard for me to keep a balance. Money moves, I'm in the office. Hello, du coup on est le lendemain. Là je suis prête, donc je vais juste mettre mes bijoux. Je vais aussi juste voir ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant. Après je vais y aller parce qu'il y a gelé, du coup bah faut que je chauffe la voiture. Et en plus de ça, je dois aller chercher un colis pour Emma, revenir ici pour le déposer et ensuite repartir prendre mon train. Je suis grave à l'avance, mon train il est à 11h40, il doit être 10h30, un truc comme ça. Mais je préfère être à l'avance qu'être en retard. Donc on va regarder ce qu'il y a dans mon petit calendrier. J'espère que ça va être un truc bien. On est le 8. Ouais, je trouve pas. Ah si. Oh là là, c'est un petit truc. J'ai peur. C'est un crayon à lèvres, mais il est trop beau par contre. Ah non, pas si beau que ça en fait. En fait il est rouge comme ça et je m'attendais plus à ce qu'il soit marron. Sinon je sais pas quel sac je vais prendre, je m'habille comme hier parce que flemme de changer de tenue alors que j'ai pas transpiré. Par contre mes chaussures, je voulais mettre mes bottines sauf qu'en fait c'est impossible de conduire avec. Je ne sens pas du tout les pédales, enfin genre j'y arrive pas. Voilà voilà, je vais un petit peu tout filmer, je sais pas où on va manger, si on va aller directement dans un café. J'ai trop hâte, j'espère pas rentrer trop tard parce que je sais que les journées comme ça où je bouge ça me fatigue. Surtout qu'après il y a la route, enfin 10 minutes de route en voiture mais quand je suis fatiguée des fois je me sens pas très bien en voiture. Et je sais pas s'il y a des gens qui me regardent et qui ont leur permis et qui ressentent la même chose, mais des fois ben je conduis et tout et genre c'est peut-être 20 minutes ou quoi. Mais au bout d'un moment j'étouffe et c'est limite si j'ai l'impression que je vais m'évanouir ou c'est limite si j'ai l'impression que je vais faire une crise d'angoisse ou quoi juste parce que je suis en voiture toute seule et tout. Et en fait j'y avais pas pensé avant d'avoir mon permis et c'est venu d'un coup comme ça, genre il y a des moments où j'étouffe et tout dans ma voiture, genre je suis plus concentrée. Donc, je sais pas si ça fait aussi à certaines personnes, en tout cas moi ça me fait un peu peur, donc voilà. Je vais pas en parler à mes parents sinon ils vont s'inquiéter, sauf si un jour je fais un accident. Super. Mais voilà, c'est assez bizarre, je pensais pas que ce serait aussi angoissant pour moi la voiture. Bref, je blablate, mais faut que j'y aille en fait. Donc let's go. Ok les gars, je viens juste de rentrer, il doit être 15h30, un truc comme ça. Et en fait le truc c'est que on n'arrivait pas à travailler au café avec Camille. Je sais pas, on n'était pas concentrés, enfin du coup on a décidé de partir parce que ça servait à rien de s'acharner sur ça, sachant qu'il nous reste des jours pour réviser, que la matière est compliquée aussi, enfin pas compliquée mais très chiante. Puis c'était juste pas le moment, pas le jour. Puis en plus il faisait super froid dans le café, je pense que ça aussi ça a joué. Il faisait vraiment super froid et en plus la dame elle l'a dit. Elle a dit qu'il n'y avait pas de chauffage parce que ça faisait sauter les plombs. Sauf que bah nous on crevait de froid alors que vous voyez on avait tous les deux un pull en laine et tout. Du coup bah on a décidé de partir, on est passé dans quelques petits magasins trop mignons. Je vous ai pas filmé parce que bah il y a énormément de monde et c'était vraiment tout petit. Sinon on est allé manger à un resto, c'était absolument trop bon. C'était aussi un petit peu petit mais ça va. Mais c'était trop trop bon et voilà. Et d'ailleurs j'avais pris la formule, ça m'a coûté genre 15,90€, un truc comme ça, c'était cher, mais c'est parce que je payais mon ticket resto. Et du coup j'ai un petit banana bread que je vais goûter tout à l'heure et j'avais un coca zéro aussi que je vais boire là tout à l'heure. Du coup là je pense que je vais faire une pause parce que j'en ai besoin et ensuite je verrai si je suis motivée ou pas à réviser. De toute manière j'ai toute la journée de demain, tout le week-end, lundi et mardi pour réviser et il me reste pas grand chose, il me reste deux matières grosso modo. Voilà. De base je devais recevoir un colis aujourd'hui sauf que bah il est toujours pas envoyé donc j'ai aussi un petit peu le seum.
Mais bon. Il a pas l'air trop bon. C'est assez spécial, j'ai l'impression que ça a le goût de pain d'épices et ça me donne vraiment envie de vomir quoi. Je vais regoûter pour être sûre, mais je suis grave dégoûtée. Je sais pas si c'est bon ou pas bon. Bon, je suis dégoûtée. Je pense que je vais le finir quand même parce que j'aime. C'est pas bien de gaspiller et tout. Mais bon, il y a mieux quoi. Hello, du coup on est le lendemain. Hier soir j'ai rien fait de ouf, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Et c'était un peu la déprime en plus, donc pas cool. Voilà, j'ai pas envie que mes vlogs ressemblent à des trucs pas ouf, même si c'est le cas, hein. J'ai pas envie de partager des mauvaises ondes et tout, même si voilà, je peux pas y échapper. Et que d'un autre côté j'ai aussi envie de vous montrer la réalité des choses. Je sais pas si c'est compréhensible. Bref, aujourd'hui je vous ai rien filmé parce que du coup ce matin je me suis levée tard, enfin j'ai un peu chillé et après j'ai fini mes révisions. J'ai tout fini, j'ai terminé. Voilà, aujourd'hui j'ai fait que ça. J'ai été chercher un petit colis pour Marine, c'est un bomber Carhartt noir. J'espère qu'elle va l'aimer, mais je sais pas trop, j'ai un peu peur. En plus c'est pour les mecs, donc voilà. Ce soir je vais certainement aller voir le match de la France à Lille et je vais pas vous filmer du coup. Je pense que je vais terminer ce vlog sur ça et voilà. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.